la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels et le ministère de la Compassion des âmes, MCA, organisent un puissant moment d'orientation prophétique, de délivrance et de restauration des âmes avec le prophète Joël Crasso, maréchal de la brigade anti-sorcier. Thème: comment être délivré des liens de la sorcellerie? Tu souffres des œuvres de la sorcellerie? Envoûtement, paume sèche, manque de stabilité, longtemps tu es dans les liens et tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu as énuméré un certain nombre de projets à réaliser pour l'année 2018. Viens expérimenter la puissance du Dieu vivant pendant ce moment de prière. À Divo, derrière la CNPS, tous les jours suivis de rencontres prophétiques. Contact 32 76 38 90 47 07 23 28 07 92 99 11. Que Dieu te bénisse. Le chef du village, la présidente des femmes, la jeunesse, que Dieu bénisse. Amen. Moi j'ai dit, je suis un fils adopté du village. Amen. Voilà. Les avocats, on a une histoire. Amen. Une histoire. On se connaît, chacun connaît son camarade. Amen. On connaît notre histoire. Vous savez, ce qui détermine une amitié, c'est leur histoire, la rencontre. Amen. On se connaît. Dans les moments difficiles de ce village, j'étais à vos côtés. On dit, on reconnaît un ami dans la douleur et dans Amen. La souffrance. Amen. J'ai combattu à vos côtés. Au moment où les anti-développements s'opposaient au développement du village, j'étais là. Amen. Ce n'est pas une mince affaire. J'ai galéré avec vous. Au moment de rentrer dans ce village, il n'y a pas d'eau potable. Je me suis lavé au de Marigot. Tout à l'heure, dans la chambre, je disais à quelqu'un, voici mon lit de galère. J'ai dormi sur ce lit. Ouais. J'ai laissé tout à Bidon. Voici le président Seiko. J'ai deux plateaux. J'ai tout laissé pour venir faire une mission à Divo. Et précisément Zaroko. Et quand Dieu m'a parlé, il y a beaucoup d'amis qui ont coupé le pont avec moi. On ne peut pas laisser Abidjan venir commencer. Oh, le ministère arrivait à un stade où j'étais très connu. Le voici, on priait à la Parnasse. Il y avait beaucoup de monde qui fréquentait notre communauté. Dieu m'a dit, commence là. Vous savez, il y a ce que Dieu te dit, qui ne dit pas tout le monde. Amen. C'est ça. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Or, si Dieu te parle, beaucoup s'opposeront à cette vision. Amen. Une vision n'est pas forcément ce qu'on doit louer, acclamer. Non. Je n'ai pas besoin que les gens m'acclament. Mais une vision, j'ai le prix à payer. Amen. Quand Dieu te parle, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas connaître la galère. Tu vas traverser les choses. Quand Dieu parlait à Abraham, Lot et Abraham, ils devaient se séparer. Lot a choisi une plateforme où il y avait la verdure. Abraham avait choisi le désert. Et c'est dans le désert que Dieu a béni Abraham. Amen. Alléluia. C'est dans le désert que Dieu a béni Abraham. Il a dit, choisis. Le gars a dit, mais c'est là-bas où il y a un vrai. Abraham dit, j'ai choisi le désert. C'est dans le désert que Dieu a béni Abraham. Les gens ont peur de souffrir. C'est vrai que les gens parlent. J'ai des détracteurs qui m'insultent. C'est normal pour eux. Parce qu'on ne peut pas vivre une œuvre de Dieu sans persécution. Lisez l'évangile de Jean, le chapitre 15, vous allez comprendre. Jésus dit, s'ils m'ont insulté, ils vous insulteront aussi. S'ils m'ont haï, c'est la même chose qu'ils feront pour vous. Et l'apôtre Paul nous dit, il dit à Timothée, dans le chapitre 1 Timothée, le chapitre 3, il dit à Timothée, il dit, tu as connu mes souffrances et mes persécutions. Et dans le verset 15, de 1 Timothée 3, le verset 15, il dit, tous ceux qui voulaient dire pieusement Jésus seront persécutés. Amen. Donc ça fait partie de la chrétienté, la persécution. C'est pas parce qu'on t'insulte qu'il n'est pas avec toi. Quand Dieu est avec quelqu'un, regardez comment il prospère. Je suis parti d'un autre point, un autre point. Donc on se connaît. J'ai été celui qui a prophétisé pour dire vous aurez de l'eau. J'ai vu de l'eau là devant moi. Vous avez tous pris l'eau. C'est vrai que Facebook c'est un outil de travail. Je suis un prophète de village. Amen. Je suis un bon villageois. C'est pour cela que j'ai menti.
un foutu, heureusement que deux jours là, je suis au régime, j'ai laissé un peu son graine, j'ai fait un peu de sport. Et du coup, si c'est trop. Sinon, j'ai un villageois. Souvent, je prends la main et je mange. Je suis un villageois. Quelqu'un me disait ce matin, ton travail c'est difficile, il fait ses passions. C'est passion, je fais ça. J'aime voir les sorciers laisser les gens. Je suis rentré dans ce village parce qu'il y a un problème de développement. Je n'ai pas lâché le village. Je me suis mis en genoux. Je m'en fous pour ceux qui n'ont pas cru. Mon Dieu, on reconnaît un prophète, on reconnaît l'arbre par ses fruits. C'est le fruit. Je suis content aujourd'hui qu'au lieu d'un infirmier, que ce soit un médecin. Docteur, c'est un médecin qui est là. Dans ce dispensaire, il y avait un cardinal mystique. Pendant 10 ans, tout est bloqué. Je suis allé déterrer le cardinal mystique devant tout le monde. Les gens rencontrent tout ce qu'ils pouvaient dire. Même le prophète avait signé un décret de me chasser de la région. Toute la jeunesse a marché pour dire que le prophète doit rester. Amen. Le jour où j'ai quitté le village, la même semaine, il y a eu 10 corps. Ils ont tué les gens. Un sorcier dit quoi? Le monsieur est sorti, il a dit, mais faut pas manger un peu. Ils ont fait djumbré, ils ont fait chitra, bibi, chitra, foutou, ils ont mangé. Bibi, ils ont pleuré. Ils sont allés voir le préfet, le prophète ne doit pas partir. Il dit, quelqu'un il délivre les gens, ça vous énerve. Lorsque je suis arrivé, j'étais sur la porte ici. Amen. J'ai soulevé l'huile. Amen. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, la mort change de camp. Amen. Vous savez, le problème qu'il nous faut, il y a une parole. Et cette parole n'a pas encore été prophétisée sur ta vie, sur le fait que les choses continuent de se prononcer, les choses continuent de t'arriver. Il te faut quelque chose. Dieu a dit Ézéchias, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les ossements. Il dit, prophétise. Vous voyez, il y a des paroles qu'il te faut. C'est parce qu'ils n'ont pas encore parlé sur toi que les choses ne sont pas encore arrêtées. J'ai dit, ainsi parle l'Éternel, en qualité de prophète de l'Éternel, j'arrête. Vous savez combien de fois il a été combattu ici? Je combattais la sorcellerie, j'ai été frappé deux fois d'aveuglement. Je suis tombé, je ne voyais plus clair. J'ai souffert. Le yo, aujourd'hui, me voyez, je voyage. Aujourd'hui, je voyage en première classe. Je ne prends plus. Avant de venir chez Primaire, bagarre. Vous savez, les gens ne connaissent pas l'histoire des gens. Ils m'insultent. J'ai souffert. J'ai traité le 1er janvier dans le village. Quelqu'un qui avait déjà fait l'Europe, quelqu'un qui avait déjà voyagé partout. J'ai accepté de payer le prix. Malgré le fait que mon ministère, les gens parlaient de partout. Et j'étais ici quand les gens venaient de l'Europe pour me trouver ici. L'onction. Alléluia. On ne joue pas avec l'onction. Amen. L'onction. Amen. Les jeunes avaient peur de rentrer dans ce village. À un moment donné de ma vie, j'organisais les compétitions de football pour ramener la jeunesse, pour leur amener en confiance. Parce que quand les gens venaient en vacances, on les tuait. Ah ben oui. On dit, mais l'abouti là, il y a longtemps, il ne vient pas. Il est venu en vacances, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on le mange le 30e. Hein? On va faire un petit déjeuner, on va quitter un peu, on le mange. Donc quand le gars il va, il meurt. Mais ça attriste le monde. J'ai eu des réunions et des réunions avec les gens. On a prié pour le village, pour les dispensaires. Gloire à Dieu aujourd'hui. Demain matin, vous aurez l'occasion. Parce que je pense que demain, on aura l'occasion de prier pour dire désormais, Seigneur, prends le contrôle du dispensaire. Amen. Amen. J'étais toujours avec vous. Dans les moments les plus difficiles, tout ce que j'ai prophétisé, ça a accompli dans ce village. Amen. Tout ce que j'ai prophétisé. C'est ça. Les gens sont prêts à dire, c'est quoi prophète, c'est quoi prophète. Mais vous ne savez pas. Les avocats, venez demander. Ils connaissent mon histoire. Je suis rentré ici avec une Bible. Les avocats sont connus sur le plan international, dans le monde entier. Amen. Après le long show qui repose sur le prophète Christ. Amen. Après que
les gens me disent, mais tu es déjà ton village à Aropo. On me parle, on me dit, mais ton village est là, il dit, oui, c'est là. On dit le prophète des Aropo. Mais oui, c'est pas mauvais. De transformer un lieu dont les gens ont peur, un lieu de pèlerinage. J'ai fait le monde entier. Aujourd'hui, je suis devenu agent de développement de l'ONU. C'est-à-dire l'ONU, cette grande institution dans le monde, me reconnaît aujourd'hui comme un agent de développement. Je n'ai pas comme ça quand je rentre à l'ONU. Il y a des gens, ils vont jusqu'à mourir, ils ne vont jamais aller à l'ONU. Ils ne sont pas appelés à ça. Même passer devant la clôture de l'ONU, ils vont aller à ça. Ils sont bien appelés. Pendant que les gens me méprisent, Dieu me lève au-dessus des nations. Amen. On m'amène à l'Union européenne, l'ambassadeur est tombé, il parle avec moi. On m'amène à la francophonie. De la francophonie, on m'introduit à l'ONU. Je suis allé deux fois à l'ONU pour assister à des grandes choses. Et je sais ce que les gens m'ont dit. C'est mon histoire, mes amis. Je connais le monde entier. Quelque chose que Dieu m'avait déjà dit. C'est sans dire quelqu'un appelé. On ne part pas de zéro. Et tu pars. On voit ta croissance. Tu évolues comme ça. Comme je disais, Abraham, c'est dans le désert que Dieu l'a béni. Moi, je ne cherche pas Abidjan. Ça ne m'intéresse pas Abidjan. Sinon, si je fais église à Abidjan, j'ai la meilleure église. Il n'y a même pas un match. Il n'y a pas un match. La chose qui poursuit les gens, l'on maîtrise ça. Et ça c'est pas de l'orgueil. Chacun a son don. Je suis le seul maréchal qui maîtrise la sorcellerie, qui moque les sorciers. Qui n'a pas prophétisé ma mort? Je suis là. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai la mort. Parce que je voyage, avant je prenais Oro. J'étais abonné à UTB. Après, c'est les Dina Massa. Maintenant, je suis en première classe, je voyage. Quand je suis dans la première classe, je sais mon histoire. Quand les gens voient la photo, ils sont fâchés. Pourquoi il vient à Paris? Pourquoi il est là? S'il n'y a pas l'onction, personne. J'ai rempli une salle de 2000 places, 4000 personnes. Parce qu'il y a l'onction. Les gens ne sont pas bêtes, ils savent. Quand ils viennent, ils sont délivrés. Amen. Je suis le seul homme de Dieu, ce n'est pas de l'envers africain, qui a su parler aux Africains, chasser cette peur dans leur cœur. Amen. Ça fait mon ministère que les gens ont confiance en l'Afrique. Mes collègues, au contraire, ils disent aux gens d'avoir peur, ils disent pas de la sorcellerie, ils ont peur. Oh, moi, quand il y a affaire à sorcier, je le mets à terre d'abord. Amen. Je le mets à terre. Et puis, je lui dis, c'est qui tu es en toi, Jacques? Tu n'as rien. C'est de la pure comédie. Il n'y a pas un sorcier qui moyen un enfant de Dieu. Ce n'est pas une question de crasso. Aucun sorcier ne moyen un enfant de Dieu. C'est tout. C'est cette promesse-là sur laquelle je m'appuie pour parler à un sorcier. Lui, il est qui sorcier? C'est un comédien. Les gens veulent parler de sorcellerie. C'est le seul ministère qui parle de la sorcellerie, hein, qui démystifie la sorcellerie. Vous savez que nous, les sorciers, pas. Sur les gens là-bas dans les églises, on les chasse. Donc, Zaroko connaît mon histoire. Non seulement ça, mais on donne l'équipe scolaire, on encourage les enfants là à l'école. Vous êtes témoin de ça ici. Oh yes. Je n'ai jamais abandonné Zaroko. Je suis là pour vous souhaiter bonnes heureuses années. Voilà, bonnes heureuses années. Bonnes heureuses années au village de Zaroko.